La journée a été meurtrière en Somalie aussi avec une nouvelle attaque de la milice Chebab. Les islamistes se sont emparés ce matin d'une base de la force de l'Union africaine à Lego, au nord-ouest de la capitale. Le bilan qui n'a pas été confirmé serait d'une dizaine de morts. Les victimes sont essentiellement des soldats burundais. Les Somaliens Chebab ont depuis des semaines multiplié les attaques sur leur territoire. Alors pourquoi ce regain de violence? Écoutez la réponse d'Alain Charret, spécialiste de la sécurité internationale. Depuis un petit peu plus d'un an, on avait remarqué que le groupe islamiste avait déplacé son action au Kenya. Depuis quelques mois, il semble qu'il ait retrouvé de nouveau le territoire somalien et qu'il y mène des opérations d'envergure, puisqu'on a pu le remarquer encore aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de militants qui interviennent directement et qui sont capables d'attaquer des infrastructures officielles. Les groupes islamistes, par tradition, intensifient leurs opérations durant le mois de jeûne. On peut penser également que c'est une réponse aux Américains, puisqu'il y a à peine 2 mois, le secrétaire d'État américain John Kerry avait effectué une visite surprise en Somalie, où il s'était contenté de rester dans l'enceinte de l'aéroport. Mais il avait dit, la prochaine fois que je viens en Somalie, j'irai me promener dans les rues de Mogadiscio. Donc il semble bien qu'Al-Shabaab n'ait pas envie de laisser se promener dans les rues de Mogadiscio John Kerry.